m'appelle Marie, je suis étudiante en anglais à Troyes. Et dans le but de devenir journaliste plus tard. Et la condition d'étudiant quand on est enfant d'ouvrier, elle est très compliquée parce que on n'a pas papa et maman derrière pour nous soutenir, pour nous aider à payer le loyer, pour nous aider à nous nourrir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a à peu près 15% d'enfants d'ouvriers en études supérieures, c'est très très peu. Et c'est vraiment compliqué. Je vais être obligée de faire un prêt étudiant et de m'endetter pour pouvoir continuer mes études. Moi, j'ai adhéré au parti parce que j'avais un idéal, parce que j'en avais marre que les élites qu'on n'ait aucun pouvoir sur ce qui se passait, qu'on ne puisse pas réagir internationalement et nationalement à tous nos problèmes. Les médias, ils ne sont pas libres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas de liberté de la presse parce que les médias sont contrôlés par des grands groupes financiers. Donc c'est une presse à pensée unique, c'est une presse qui diffuse toujours les mêmes choses et qui attaque toujours les mêmes personnes. Il n'y a qu'un seul média libre actuellement qui est diffusé à grande envergure, c'est l'Humanité pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut sauver l'humain aussi. Et toi, tu rêves d'être quel journaliste ? D'être une journaliste engagée, j'aimerais bien travailler pour l'humain, forcément. Et j'aimerais vraiment pouvoir changer les choses, même au niveau, peut-être être journaliste, être reporter international, pour pouvoir aller dans les endroits où vraiment les gens ont besoin qu'on parle d'eux et pouvoir vraiment faire prendre conscience au monde qu'il y a des problèmes et que c'est pas normal. Alors là, j'aimerais que le Parti communiste se rattache à ses valeurs de base, qu'il retourne, qu'il réinvestisse les quartiers populaires, là où on a besoin de lui. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus visible et j'aimerais que le parti redevienne vraiment le parti du peuple et qu'on arrête de se tourner vers des partis de haine et qu'on apprenne à vivre ensemble et que le Parti communiste peut représenter ce vivre ensemble. Et je suis déléguée pour pouvoir faire avancer des propositions humaines, des propositions d'égalité entre tous les citoyens.